Il fait beau. Vous avez vu ce soleil? Oui. C'est agréable. Très. Cette fois, ça y est. Je crois que le printemps s'est installé pour de bon. Oui, on dirait oui. C'est la première fois que je viens au parc depuis le début de l'hiver. Ah bon? Oh, ça fait du bien de voir les enfants qui s'amusent. C'est sûr. Et puis au moins, on prend un peu l'air. Regardez ces deux-là, s'ils sont mignons. Très mignons. Tiens, j'ai l'impression que le petit garçon vient de mordre la petite fille, non? Mais pas du tout. Elle rit. Oh bah non, elle crie. Ah. Vous avez des enfants? Non. Bientôt peut-être. Bon, j'ai encore le temps, hein. Puis, comme on dit, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut d'abord trouver le papa. Ah ça, vous avez raison. Et vous venez quand même les regarder ici? Ah bah non, non, je viens pas vraiment pour les enfants. Je viens pour travailler, hein. Parce que chez moi, c'est pas possible, mon voisin met la musique à fond toute la journée. Alors qu'ici, bah au moins, je suis tranquille. Pas d'habitude. Eh bien, dis donc, ça doit être affreux d'avoir un voisin comme ça. Où vous devriez aller lui parler. Les gens n'osent plus parler, ils ont peur les uns des autres. C'est ridicule. Allez-y, vous verrez, vous gagnerez en tranquillité, et puis si ça se trouve, vous vous ferez un nouvel ami. Ah bah non, non, je crois pas, non. Non, non, il est musicien, puis comme il devient sourd, il met la musique très fort. Ah bah dis donc, c'est pas gay, hein. Ah bah non, non. Non, puis... sa musique est... Et de plus en plus fort. Alors, ça fait quand même sacrément du bruit. Hein. En plus, il y a un truc aussi, c'est qu'il est vraiment très très grand, très sale. Puis alors, il sent l'alcool dès le matin. Alors je peux vous dire, c'est quand même pas bien parti pour m'en faire un ami. Hein. Enfin bon, voilà. Et dites-vous, vous surveillez vos petits-enfants? Non, j'en ai pas, malheureusement. Ben, plus tard, peut-être, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Non, j'ai perdu mon fils. Je suis désolée, je ne savais pas. Ah, mais non, non, mais c'est rien, ça fait longtemps. Oh, regardez celui-là, s'il est drôle. Oui, il est tout rouge. Vous habitez le quartier? Oui, j'habite à deux pas. Et vous venez souvent dans ce jardin? Oh oui, c'est un beau jardin. J'ai ici tous les jours depuis des années. Dès le début du printemps, je viens. Je connais tout le monde. Je vois les enfants grandir. Et puis comme ça, en passant devant les tombes, petit à petit, ben, je m'habitue. Hein, les tombes? Ben, les tombes du cimetière. Bon, quel cimetière? Ah, vous ne savez pas? Si vous continuez tout droit, derrière la haie de cyprès, vous arrivez dans le cimetière. Ben, allez voir, c'est amusant. Bah, tu tiens un toboggan, d'habitude, il n'y a pas de toboggan dans les cimetières. Ah, mais je vous rassure, le toboggan, il n'est pas là pour les morts. Dans le quartier, il n'y avait pas de parc. Et ici, ça devenait comme une sorte de décharge. Alors, on a tout déblayé, installé un bac à sable et un toboggan pour que les enfants puissent jouer. D'un mot début, forcément, les parents, ils ont un peu protesté. Et puis finalement, ils s'y sont faits. Puis maintenant que la haie a poussé, eh ben c'est moins traumatisant pour les enfants. Parce que vous voulez dire que avant, fatalement, dans un cimetière, il y a des enterrements de temps en temps. D'ailleurs, votre place, là, on voyait bien le cercueil qui était suivi du cortège. Ils prenaient le petit chemin là-bas. Ah, mais dites, mais ils ont dû être traumatisés, les enfants. Oh, ben non, faut pas exagérer. Puis maintenant que ça a poussé, ben on peut plus se douter de ce qui se passe derrière. Oh, mais quand même, mais c'est horrible ce que vous racontez, les pauvres gamins. Mais quand on y pense, on les oblige à jouer dans un cimetière. Oh, ben, ma pauvre, mais ne pleurez pas, c'est pas grave. Oh, dame, je suis une vieille bique aussi. Quelle idée de vous raconter une histoire pareille. Mais non, je pleure pas, c'est rien, c'est... C'est moi, je suis toujours comme ça au début du printemps. Je crois bien que je manque de magnésium. Puis aussi, c'est... C'est toutes vos histoires de cimetière, ça me fait penser à ma grand-mère. Ah bon, elle est morte? Bah non, mais elle est très vieille quand même.
Ah ben, c'est pas une raison pour l'enterrer avant l'heure. Et il y a des vieux qui s'accrochent, vous savez, hein. C'est pour en parlant d'heure. Va peut-être pas falloir que je tarde, c'est l'heure où mon voisin promène son chien. Il est gentil, au moins, son toutou. Ah non. Non, non, c'est un énorme chien, presque aussi gros qu'un petit veau, mais alors, beaucoup plus agressif. Hein. De toute façon, je sais même pas quelle race c'est, je savais même pas que ça existait. Eh ben, faites bien attention à vous, surtout, hein. Bah oui. Bon, ben, au revoir, mademoiselle. Et puis, à bientôt, peut-être, maintenant qu'on dirait que le printemps s'installe. Bah oui, hein, on dirait que c'est bien parti, là. Oh, puis, il y a jamais beaucoup de monde ici. Que les gens du quartier qui connaissent. Vous verrez, c'est très sympathique. De toute façon, hein, j'ai pas le choix si je veux travailler. Ben, allez, au revoir, madame. Au revoir. Si t'as soif, j'ai de l'eau, hein. Tu me vois, là? Je m'assois là, là, hein. Je ne bouge pas. Et ne pousse pas les autres enfants du haut du toboggan, hein. Je me demande bien à quoi ça sert que je hurle comme ça, parce que comme d'habitude, il ne m'écoute pas. Ça y est. Ça y est. Il a poussé le petit de l'autre, là, celle qui sourit tout le temps. Heureusement, elle n'a rien vu. Elle décote son mari. Plutôt beau mec, d'ailleurs. Bonjour, Jeanne. Ah oui, bonjour. Je ne peux pas les encadrer avec leurs deux mômes. Et bientôt trois, parce qu'il paraît qu'elle est encore enceinte. Vous le saviez? Elle ne m'a pas fait confidence. Elle est insupportable, cette fille. L'autre jour, elle vient me voir pour me dire que si j'avais besoin de quoi que ce soit, fallait surtout pas que j'hésite à venir la voir. Parce que ça devait être difficile d'élever un petit garçon toute seule. Je l'aurais giflé. Puis elle m'énerve, là, avec son sourire perpétuel. C'est pourtant bien agréable, quelqu'un toujours de bonne humeur. Moi, ça m'emmerde, les gens toujours de bonne humeur. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, toujours de bonne humeur? On peut pas toujours être de bonne humeur, ça n'existe pas. Vous êtes toujours de bonne humeur, vous? Bon, bah, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est peut-être tout simplement aimable. Tu parles. Elle vient me narguer avec sa famille ricorée. Bien trop contente d'avoir enfin trouvé une pauvre fille sur qui elle peut étaler son bonheur. Ouais. Vous êtes injuste. Elle a tout bon. Je la hais. Mais calmez-vous. Vous imaginez des choses et vous comparez. Se comparer, ça fait souffrir tout le monde et en plus, ça sert à rien. Je suis dans un état. Ah non, sans blague. C'est pourtant pas un temps être de mauvais poil avec ce soleil. Mais j'aime pas le soleil. Oh, puis vous m'enquiquinez avec votre météo, là. Vous n'avez rien d'autre à me raconter? Vous n'allez quand même pas m'engueuler, en plus. C'est quand même pas de ma faute, il fait beau. Je déteste les gens. Ça fait plaisir. Oh, puis ça y est, voilà, elle a fini par s'apercevoir que mon gamin poussait le sien. Regardez-la. Elle est en train de lui faire la leçon. Toujours souriante, bien sûr. Faut être gentil avec les caractériels, hein. Surtout quand on a de la chance d'avoir soi-même des enfants épanouis et équilibrés. Ah, c'est sûr que c'est pas eux qui pousseraient les autres enfants du haut du toboggan, hein. Mais taisez-vous donc, elle approche. Oh mince. Elle m'a vue. Elle me sourit, là. Jeanne, je peux donner du gâteau à Simon, il n'est pas trop tard. Philippe le fait avec des yaourts que je prépare moi-même. Oui, bien sûr. Merci Sophie, merci. Bah Simon dit merci à Sophie. Il est timide, hein. Merci encore, hein. Merci Sophie. Philippe fait des gâteaux avec les gâteaux. Je crois que j'ai fait mon larme. Vous avez mangé la journée. Mais je voudrais être elle, Suzanne. Je voudrais être à sa place, moi. Avoir son sourire, son mari, ses yaourts. Ses parents seraient les miens, et puis tiens, on se retrouverait tous les étés dans la grande maison familiale du Lot.
Et on se retrouverait avec les cousins et les cousines qui joueraient avec Simon. Ah, parce que Simon veut garder quand même. Bien sûr que je garde Simon. Bah, oui quand même. J'ai crevé de jalousie. Oh, c'est pas joli joli d'être envieuse. C'est pas comme ça qu'elle vous a élevé, votre mère. Tu parles. Elle m'a collé en pension de la 6e à la 2e. Bah ça l'a pas trop fatiguée de m'élever, comme vous dites, hein. Mais vous pouvez pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. On se débrouille. Au fait, il a aimé mon livre, Simon? Il est quand même un peu difficile, hein. Je vous rappelle qu'il a à peine 7 ans. Et alors? C'est pas fait pour 7 ans, les misérables. Oui, oui, et puis c'est très gai. Merci, je suis très bien là. Mais vous êtes à l'ombre, pour une fois qu'on a du soleil. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est dommage. Merci, ça va très bien. Non mais, Suzanne, arrêtez d'insister comme ça, qu'est-ce qui vous prend? C'est pour vous que je fais tout ça. Il y a 5 minutes, vous hurliez que vous vouliez un homme. Je vous en fous pas, je suis en même pas capable de vous pousser pour lui faire un peu de pape, un peu de place sur le banc. Eh bien, décidément, vous n'avez pas de suite dans les idées, ma petite vieille. Je suis à fleur de peau. Ah, j'ai cru comprendre. Ça n'allait pas, et puis voilà, je me suis laissée aller, c'est vous qui avez pris, c'est tout. Si ça vous a soulagé. Mais vous n'allez plus voir votre hypnotiseur, là? Ah, mon magnétiseur, vous voulez dire? Voilà. 60 euros la séance, même pas remboursé. Tout ça pour me magnétiser ou me démagnétiser, d'ailleurs, je ne sais même pas. Non, c'était trop cher. Par contre, maintenant, je vais voir quelqu'un de formidable. Qui prépare lui-même ses huiles essentielles complètement bio. Regardez, j'ai toujours sur moi. Quand je me sens triste ou dépressive, j'en prends 2-3 gouttes sous la langue. Et ça marche même en cas de choc impromptu. Ah bon? Oh, madame, je vais m'en mettre un petit peu de votre machin, là. Je suis encore poignée le genou. Suzanne, ça va pas? Vous faites exprès ou quoi? En cas de choc psychologique. Ça va, c'est pas de l'arnaque. Si je vous disais le prix en plus au litre, merci. Eh bien, demandez-lui quand même en cas de choc physique impromptu. Et vous croyez que votre potion magique, là, elle fait de l'effet sur votre morale? Je crois. En tout cas, à chaque fois que j'en prends, ça me gratte partout après. Je sais pas si c'est un signe quand même. Hein. Ah, peut-être que je lui poserai la question la prochaine fois. Eh bien, moi, à votre place, j'irai plutôt voir un dermato. Mais enfin, pour ce que j'en ris. Hein. Je maigris. Et je sens que je maigris. Ah bon? Ben, moi, je trouve que vous le remplissez bien, votre pantalon. Ben, même un peu plus. Et non, je veux dire que je me sens aigrie, Suzanne. Oh, puis merde! Vous trouvez vraiment qu'il me sert trop, ce pantalon? Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En ce moment, je gonfle. Je gonfle! Ça, pour gonfler? Mais quand même, moi, je viens d'acheter ce pantalon, hein. Ah, mais non, mais il vous va très bien. Et puis, c'est sûrement comme ça que ça se porte, en plus. Enfin, bon, je suppose. Ah, bah, d'accord. Merci. Oh, bah, écoutez, on ne sait pas par quel bout vous prendre aujourd'hui. Hein. Bah, moi, je frissonne. Je vais vous laisser. Je vais faire un tour dans le parc. C'est crête, ces premières journées de beau temps. Vous n'êtes pas assez couverte non plus, Suzanne. Vous avez vu comment vous êtes couverte, hein? C'est pas sérieux, tout ça. Après ce que vous avez eu cet hiver, en plus. Ah,
Tout ça pour faire la jeune fille. Et alors, il est pas chic mon corsage? J'ai eu pour 3 fois rien marché, une affaire. Il est trop petit. Allez, rentrez, vous allez attraper du mal. Et puis, si vous voulez nous voir ce week-end, on bouge pas samedi. J'ai un article à terminer. Ah bon? Et ça parle de quoi? C'est pour un nouveau magazine destiné aux femmes célibataires, mais j'ai déjà le titre. Hein. Comment déboucher ces canalisations seules et en s'amusant? Très marrant. C'est du travail, c'est l'essentiel. Bon, et bien à samedi alors. J'apporterai le comte de Monte Cristo pour Simon. Il l'a pas déjà lu au moins. Non, il l'a pas lu. Et puis, tiens, si vous trouvez à la recherche du temps perdu pour son anniversaire, n'hésitez pas, ça lui fera certainement plaisir. Oh. Au revoir, monsieur. Je vous laisse ma place. Vous verrez qu'on est quand même bien mieux au soleil. Ah bon? Eh bien, merci, madame. Au revoir. Il y a du charme ce jardin. Au début, c'est un peu étrange de rentrer par le cimetière, mais au moins on est vraiment au calme. Hein. Puis surtout, on est dehors. En ville, on n'a pas si souvent l'occasion. Vous venez ici souvent? Moi, c'est la première fois. C'est vraiment beau aujourd'hui, hein? Ça me fait du bien. Oui, il fait beau. C'est bien agréable un peu de soleil, hein. Enfin, on respire. Après avoir été enfermé tout l'hiver, ça finissait quand même par taper sur le moral. Hein, c'est vrai. Et vous voyez, moi, je dois pas être comme tout le monde, parce que figurez-vous que c'est le soleil qui m'angoisse, je préfère la pluie. Mais bon, il faut faire attention quand même, parce que le soir, la fraîcheur tombe d'un coup, et c'est comme ça qu'on s'attrape des angines. Hein. C'était pas comme ça avant. Hein. Ah non, c'était pas comme ça. Avant, à Noël, on avait de la neige. Et bien maintenant, faut attendre le mois de mars, voire le mois d'avril pour faire un vrai bonhomme. Ça fait peur tout ça, hein. C'est vrai que ça fait peur. Vous voyez d'ailleurs là, j'ai peur. Bon, ça vous va là? On est dégagé de l'obligation de se faire la conversation. De toute façon, j'ai plus envie de vous parler. Vous êtes très mignonne. Alors complètement jetée. Hein. Ça va, moi aussi j'ai mes problèmes. Je suis désolée. J'ai passé une mauvaise journée. Hein? Ben, je suis pas comme ça d'habitude. Hein. En tout cas, pas à jeun. Mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'explose à tout bout de champ. Je dois manquer de quelque chose. Ou alors vous êtes juste chiante. Ben, je viens de vous dire que je suis pas comme ça d'habitude. Je ne suis pas obligé de vous croire, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que c'est que cette manière de sauter sur les gens, parce que vous avez un peu de travers aujourd'hui? Moi, je viens prendre le soleil peinard. J'ai pas envie d'être agressé par une hystérique avec un pantalon trop petit. Simon, tu viens tout de suite? On rentre, je te dis. Viens ici. Mais laissez-le tranquille, ce gosse. De toute façon, vous n'avez aucune autorité. Vous hurlez, ça ne sert à rien. Allez le chercher plutôt. Je peux pas. Ben pourquoi? Parce qu'il a poussé le petit de celle qui s'approche de lui, là. Voilà. Donc j'ai honte. J'ai honte, je veux pas y aller.
Elle vous regarde. Elle fait semblant de me parler. S'il vous plaît. Faudrait savoir ce que vous voulez. J'ai jamais su ce que je voulais. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Vous faites partie de la catégorie des emmerdeuses. Je connais par cœur, j'en sors. Merci. Bon. Elle me regarde toujours, hein? Vous voulez pas continuer encore un peu? Non, elle parle à votre fils. Vous habitez le quartier? Ah tiens, nous avons envie de faire la causette maintenant. Si pour me remercier de vous avoir sauvé, ne vous sentez surtout pas obligé, parce que moi je préfère autant lire mon journal. Puisque ça a l'air de vous intéresser. Oui, j'habite le quartier, mais depuis très peu de temps. J'ai emménagé dans un studio, je le repeins, et entre deux couches, le temps que ça sèche, je viens paisiblement lire dans ce square, agréable et bien entretenu. Voilà. Bonne journée et au plaisir. Et il est à quel étage votre appartement? Alors là, je me demande bien, ça peut vous... Ah oui, d'accord. Alors c'est vrai qu'elle a pas l'air contente, votre copine. Il est au dernier étage. Mais... je ne pense pas vous inviter pour la crémaillère. Je vais tout de suite oublier cette information, c'est pas la peine d'encombrer votre cerveau inutilement. Vous êtes quand même très très agressif, hein. Moi j'ai reconnu mes torts, je me suis excusée. On parlait gentiment, là, puis tout d'un coup, paf, vous m'agressez, alors je suis complètement vulnérable, sans défense. Faut pas exagérer, j'ai rien dit de si terrible. Bah si. Si, vous venez de dire que vous vouliez pas m'inviter à votre crémaillère. Moi, je trouve ça dégueulasse. Hein. Je ne sais pas encore si je vais en faire une. Je ne suis même pas sûr d'avoir assez d'amis. En comptant large, il doit y avoir 3 personnes que j'ai vraiment envie de voir. Pour une crémaillère, c'est ridicule. Ils vont se rendre compte qu'ils sont très peu, ça. Ça va leur foutre la frousse d'être invité par quelqu'un qui a si peu d'amis. Non, c'est une très mauvaise idée, cette crémaillère. Non, finalement, je crois que je vais laisser tomber. Oh, bah ça va, arrêter, hein, c'est encore plus humiliant. Mais ça va, c'est pas la peine de vous justifier. Ni même de monter un bateau pareil, là, tout ça pour pas m'inviter. De toute façon, les gens sont sadiques. Il y en a toujours un dans un groupe qu'on n'invite pas. Ça permet aux autres de se sentir soudés. Je le sais. Hein. Je connais ça déjà depuis que je suis toute petite. Déjà, à l'école toute la semaine, je faisais semblant de m'intéresser aux conversations des unes et des autres. Arrivait le vendredi soir, et la seule qui n'était pas invitée à un anniversaire d'une quelconque petite morveuse, c'était qui? Bah c'était moi. Là j'arrive à 35 ans et ça recommence. Il faut que je tombe sur un mec à qui j'ai rien demandé. Mais alors, rien! Dans un square où j'ai envie d'étendre après une journée pourrie, et ça continue? Je ne suis pas invitée? Et ben vous aussi, vous êtes un sadique! Oh, puis j'en ai rien à foutre de votre crémaillère dans le studio qui pue la peinture. De toute façon, je serais beaucoup mieux chez moi, toute seule, à bouquiner, plutôt qu'à bouffer du pain d'épices avec des petits bouts de foie gras dégueulasses posés dessus. Vous savez quoi, votre invitation, c'est dans votre enveloppe. Vous pouvez vous la garder, j'en ai rien à foutre. Les oméga 3, vous connaissez? Il y a un type qui en parlait l'autre jour à la radio, il était très convaincant, vous devriez essayer. Ok. Merci. Au revoir, merci pour le réconfort. Faut vraiment rien avoir à attendre des autres. Surtout quand on se sent un peu triste. Une seconde inattention et hop! On vous tape sur la tête, on vous enfonce. Pas de pitié pour les canards boiteux, hein. Simon, tu viens, je te dis, on rentre!
Paul. Salut. Ah, salut. J'ai fait un gâteau, vous en voulez un morceau? Je viens, merci. C'est très bon. C'est du gâteau yaourt, non? Ouais. Vous connaissez? J'ai réussi pas mal. Alors, ça avance la peinture? Ça sèche. Je vais bientôt attaquer la deuxième couche. Bien, bien. Ah, il sera sympa le studio une fois rafraîchi. Surtout là, actuellement au printemps. Et vous savez que c'est très recherché, les apparts qui donnent sur le square? Vous voulez dire sur le cimetière? C'est pareil, hein. Ça fait toujours un petit peu de verdure. T'as vu de la veine que Pierre me parle de vous juste au bon moment? Oui, je vous remercie encore. Ah, pas de quoi. Et vous savez, moi, ça m'arrange. Ouais, parce que la peinture, c'est pas vraiment mon truc. Non, allez, j'ai pas le temps de m'amuser à ça. Je bosse comme un malade. Ah oui? Ah ouais, ils sont dingues dans la boîte. Ah, ils me filent des budgets énormes à manager. Allez, j'ai pas le droit à l'erreur. Attention, faut que ça tourne, faut que ça file. Ah, c'est assez grisant. Sûrement, ouais. Votre femme a l'air très sympathique, hein. Ah bon, vous trouvez? Ah oui, elle est très souriante. Ah, c'est vrai, elle sourit tout le temps. Et puis elle s'occupe bien des enfants aussi. Ah, ça se voit. C'est pas le genre à leur hurler dessus pour n'importe quoi. Oh non, non. Ah non, elle est très patient. Bon bah, vous me passez un coup de fil quand vous avez fini, comme ça je viendrai jeter un œil. Au fait, pour le loyer, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous ne payez pas le premier ou les deux premiers mois? Je ne me souviens pas. On avait dit les deux premiers mois. Ah ouais, ok. Pas de problème. Ah, c'est bien comme ça, ça vous laisse le temps de vous retourner. Vous avez trouvé du boulot? Non, pas encore. Mais pour le loyer, ne vous inquiétez pas, j'ai un peu d'argent de côté. Ah, mais je m'inquiète pas. Hein. Et faites gaffe, hein, parce que ça file vite. Je sais, merci. C'est quand même marrant, hein, que vous ayez tout laissé tomber comme ça. Bon. Ça paye bien pour ton informatique, non? Oui, plutôt bien, mais... C'était pas le problème. Ça collait plus avec votre boss? Non, c'est pas ça. Alors quoi? Je m'ennuyais. Attendez, vous avez quitté le boulot juste à cause de ça? Oui. Un matin, je me suis levé, je me suis habillé, j'ai pas pu aller travailler. J'étais pris d'une sorte de panique à l'idée de me retrouver dans un bureau devant un ordinateur. Il y a des antécédents dans votre famille, des dépenses? Non, non, je crois que je suis le premier. Les autres se sont consciencieusement emmerdés jusqu'à leur retraite, sans déranger personne. Et vous cherchez dans quoi actuellement? Dans rien pour le moment. Je me laisse un peu de temps pour réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Ah oui, je vois. Mais dites-moi, il n'est pas trop tard hein, pour changer de boulot comme ça? J'espère que non. Enfin, ça ne me regarde pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Oui. Du coup, votre copine s'est tirée. Je vois que Pierre vous a fait un petit briefing complet sur ma vie, mon œuvre. Écoutez... Vous savez, on n'est pas obligé d'en parler hein, si ça vous dérange. Oh non, non, ça ne me dérange pas. C'est normal que vous renseigniez. Hein, il faut faire attention au mettre des pieds. On ne sait jamais sur qui on tombe. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de gens. Non, vous. Alors, écoutez, je veux dire comme tout le monde, quoi. Donc, oui, mon ami et moi, on s'est séparés.
Elle ne collait plus. Vous m'arrêtez hein, si je deviens indiscret. Oh non, c'est vous. Je suis ça, vous curieux peut-être. Là aussi, je commençais à m'ennuyer. Hey, je vois. Un point instable, quoi. Marquez, comme ça, vous êtes complètement libre pour recommencer une nouvelle life. Hein. Une nouvelle? Ah oui, okay, on peut dire ça comme ça. Perdez pas votre temps, hein. Je vous ai vu tout à l'heure en grande conversation avec Jeanne. Je ne sais pas ce que vous lui racontiez, mais ça va l'air vraiment de l'intéresser. Vous la connaissez? Un peu. Moi, c'est une copine de Sophie. Elle est un peu larguée. Elle a divorcé il n'y a pas très longtemps. Et Sophie essaie de l'aider. Comme ça, c'est plus fort qu'elle, c'est son côté bonne sœur. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai du boulot, moi. Hein. Tout le monde ne peut pas se payer le luxe de redevenir étudiant. Vous voyez, après, avec les enfants, c'est plus pareil. Alors, vous verrez bien un jour, hein, si vous en avez. Écoutez, venez dîner un de ces quatre. Vous verrez, on a un super appart. Comme ça, vous pourrez m'aider à installer mon nouveau logiciel, puisque c'était votre truc. Bah, avec plaisir. Je suis pas sûr d'être compétent. Si je peux vous aider... Vous pouvez. Ne commencez jamais un entretien avec un employeur par une phrase négative sur vous, ou alors sur vos aptitudes. C'est un conseil que je vous donne. Avec moi, il n'y a pas de problème, mais bon... Quand vous allez chercher du boulot, et vous êtes des milliers dans le même cas, mieux vaut mettre toutes les chances de votre côté. Si vous n'avez appris que ça aujourd'hui, eh bien vous n'avez pas perdu votre temps. Allez, courage, hein. Il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Non, il n'y a pas de raison. D'un gros pingouin. On parlait, c'était très chaleureux. Et au moment, je me suis aperçu que ce pingouin, c'était mon père. Il est mort il y a peu de temps. La première fois que je rêve de lui, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais si. Bonne fin de journée. Pour une première journée de printemps, il a vraiment fait beau. Ah, c'était le premier jour du printemps. J'avais pas fait attention. Je vais rentrer, moi aussi. Vous savez où je peux trouver une poste? Je viens d'emménager, je ne connais pas encore bien le quartier. Ah oui, il y en a une juste au coin de la rue, mais dépêchez-vous, elle ferme dans 10 minutes. C'est loin?
Ah non, 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 en prenant le petit chemin, vous arrivez juste en face. À moins que ça vous dérange de passer par le cimetière. Ah non, 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 j'adore les cimetières, ça. Ça me réconforte. Si vous voulez, je peux vous montrer. Ah bah avec plaisir. Si je vais tout seul, je vais sûrement me perdre. Bon, j'aime bien les cimetières, mais au point d'y rester enfermé toute la nuit, aéré parmi les tombes. On va prendre par la petite allée. Alors, vous vous habituez dans votre nouveau quartier? Vous commencez à vous faire des amis? Oui, j'ai parlé à plein de gens aujourd'hui. Je suis encore complètement sûr qu'on devienne amis. Voilà. Vous faites encore merci pour la place au soleil tout à l'heure. Oh, de rien, de rien. Vous avez rencontré Jeanne. Elle est du quartier, elle aussi. Oui, oui, nous avons un peu bavardé. Elle est très, très... Très sympathique. Voilà, c'est ça. Très sympathique. Cette petite sauterie. Ah, et puis tu nous as bien fait rire. Ah bon? Ah ouais. T'es très en forme, hein. Je t'avais jamais vu comme ça. Je ne supporte pas bien l'alcool, mais bah, c'est vrai que une fête, quand t'es pas un peu bourré, c'est un peu ennuyeux. Hey. T'as pas dû t'ennuyer, alors. Oui. C'est naturel ou tu prends des cours? Des cours de quoi? Tu sais bien, à la fin, quand tu es monté sur la table. Ah non, non, je ne vois pas du tout. Mais si, puis tu te trimoussais comme ça avec l'écharpe. Je prends des cours de danse orientale deux fois par semaine. Ah ouais, c'est pour ça. Puis à la fin, tu t'es complètement déloqué. Non. Si, même que tu voulais prendre la main dans le saladier de petit ponche. Heureusement qu'on était deux pour t'arrêter. Parce que tu criais, laissez-moi plonger, je veux voir si elle est bonne. Oh merde. Devant Suzanne? Eh non, je rigole. Ah, très drôle. Dis-moi, j'espère que tu n'as pas tout oublié quand même. Justement, je préférerais qu'on n'en parle pas trop. Et attends, hé, y a pas mort d'homme, hein.
Ton fils est avec son père, ma femme et mes gosses sont en vacances, on est adultes, voilà. Ouais, voilà. Tu vas aller rejoindre dans la grande maison familiale du Lot ? Oh non, pas cette année. Non, j'en ai marre du golf. Tu vois, pour le mois d'août, on descend en Corse, du côté de Porto Vecchio. Tu connais la Corse ? Non, mais il paraît que c'est super beau. Ben, c'est pas beau. C'est sublime. Si t'as l'occasion d'y aller, bah vas-y vraiment. Bah t'as qu'à m'inviter. Je rigole. Et vous partez tous les quatre? Bah non, attends, ouais. Autrement c'est pas des vacances. Hein. Non, on part avec des copains qui ont des gamins du même âge que les nôtres. On va avec ses quatre enfants. Nous les parents, on est tranquilles. Et vous êtes beaucoup ? Oh, une bonne douzaine. Là, on était au lycée ensemble, toujours la même bande. C'est sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais on se connaît par cœur, alors il n'y a pas d'embrouille. Et tu verras, Sophie, pour l'organisation, elle est géniale. Et tu l'as vu ramener tout ce petit monde à la baguette. Je la vois d'ici. Et toi, tu pars où? Je sais pas, je pense que je vais rejoindre une copine qui loue un studio à Cabourg 2 ou 3 jours. Et puis après, je sais pas encore. Mais j'ai plein de propositions. Ah, c'est bien. Ah, c'est sympa. C'est bien de partir comme ça à l'aventure, sans rien programmer. Et je t'en viens un peu. Ça, c'est l'après, c'est l'aventure. C'est vrai que c'est très ouvert. Salut Antoine. Justement, avec Jeanne, on se disait que ta pendaison de crémaillère était vraiment réussie. Tu es dans ton linge dans le square maintenant, c'est original. Quelqu'un a renversé le saladier de Typon pendant sur la table au traiteau. Il va faire sécher mon tapis. Il est tellement chaud, j'en profite. T'as raison. Bon ben, tu viens, Jeanne? Oui, j'arrive. À plus tard. Je voulais vous remercier, justement, pour l'invitation. J'étais vraiment très contente hein, de la trouver dans la boîte aux lettres. Vous voyez, tout arrive. Bonne journée, Suzanne. On s'appelle? Si vous n'êtes pas trop occupée. Non. Au revoir. Alors là, ça c'est le scoop de l'été. Non, n'exagérons rien. Un petit scoop de soir au maximum. On va peut-être pas alerter les journaux people tout de suite. Quand même, cette pauvre Sophie enceinte de 6 mois dans le Lot. Ah, au moins elle est au bon air. Au bon air, vous parlez d'une consolation, vous. Pendant que le cœur en prend un coup. Tant que les poumons se refassent une santé. Vous avez une drôle de manière de parler. Ça vous choque pas? Écoutez, Suzanne. D'abord, Sophie, je la connais à peine. Et pour tout vous dire, je ressens une espèce de satisfaction à l'idée que ma petite fête dans mon modeste studio soit l'origine d'une rencontre. Et qui sait, peut-être même d'une belle histoire d'amour entre deux êtres qui se trouvent enfin. Parle, Charles. Elle est minable, cette histoire. Je suis peinée que Jeanne, que je croyais plus futée, tout ça parce qu'il fait des gâteaux yaourts et que ça a dû remuer quelque chose en elle. Le mystère de l'inconscient et du yaourt. Ah non, c'est lamentable. Si c'était ma fille. Mais justement,
c'est pas votre fille, alors laissez-la vivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour vous, il n'y a que les liens familiaux qui comptent. Il n'y a qu'à l'intérieur des familles qu'on a le droit de se parler, de s'aider, de s'aimer. Moi, j'en ai pas de famille. Pas de mari, pas d'enfant. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste toute seule dans mon coin en attendant de crever, c'est ça? J'ai le droit d'avoir de l'affection pour Jeanne. Et de lui dire qu'elle fait n'importe quoi. Moi aussi. Certains moments de ma vie, j'aurais aimé qu'on me parle. Qu'on m'engueule. Qu'on s'intéresse un peu à moi. Oh, Suzanne, je voulais pas. Ne faites pas attention. Je suis fatiguée en ce moment. Un coup de cafard. Bon, qu'est-ce qu'on fait, J'achète une bouteille de quelque chose de fort et puis on se saoule tous les deux. Là, j'essaie de vous faire rigoler. Là, je reste assis là et puis je ne fais rien. Je suis désolée, Antoine. J'ai pourtant pris mes gouttes anti-idées noires comme d'habitude. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Je sais bien que le rôle des vieux, c'est de faire semblant, d'être raisonnable, plein de sagesse pour ne pas épouvanter les jeunes. D'habitude, je fais ça très bien. Puis là, j'y arrive pas. Je me sens seule. Vieille. Inutile. Et triste. Je ne suis pas vieux, mais je me sens très souvent seul, inutile et triste. Ça arrive à tout le monde de penser ça, enfin, sauf les imbéciles. Parce qu'on est sensible et que la vie est difficile par moments. Antoine, je suis contente de vous connaître. Oui, j'ai vu. C'est triste, une vieille dame qui pleure, non, c'est horrible. Oui, c'est triste. Vous avez dit quelque chose qui a fait de la peine, hein? Non, mademoiselle. Je ne suis pas le genre d'homme à faire pleurer les femmes le dimanche dans l'espoir. Si c'est ce que vous pensez, vous vous trompez. Oui, parce que, en arrivant là, je vous ai vu parler tous les deux de loin, puis bah, tout d'un coup, elle sort et puis elle part en pleurant. Alors, bah, comme c'est la première fois que je vois une vieille dame qui pleure, bah, ça me... Vous pleurez jamais, vous? Oh ben si. Oh ben si, moi je pleure tout le temps. Hein. C'est même un problème, hein, parce que je suis beaucoup trop sensible et puis bah du mais coup... Mais là, une vieille dame, c'est pareil que vous. Vieux ou pas vieux, on a le droit d'être triste ou gay, de pleurer ou de se marrer. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous êtes là avec votre petite bouche en cœur, votre petite tête étonnée. C'est pas une race à part, les vieux. C'est vous, c'est moi, Je suis un futur vieux, vous êtes une future vieille. Il suffit d'attendre un peu, vous serez une vieille qui pleure, vous aussi. Quand même, c'est horrible ce que vous me dites là. Tout est horrible avec vous. On dirait un oiseau tombé du nid. Ah oui, c'est horrible d'être vieux et d'être obligé de pleurer pour que les jeunes s'aperçoivent qu'on existe et qu'on est vivant. C'est à cause de gens comme vous qu'elle pleure, Suzanne. Elle a plus que cette solution. Pleurer le dimanche dans un square pour cesser d'être transparente et que vous la regardiez enfin. Bon, ça c'est pas vrai ce que vous dites, parce que j'y ai déjà parlé moi à cette dame. Hein. On a même discuté un petit moment d'ailleurs. Vous lui avez parlé? Je crois plutôt que c'est elle qui a engagé la conversation que vous êtes contenté de répondre en levant à peine la tête de votre bouquin. Pourquoi vous êtes agressif comme ça avec moi? En plus, j'ai bien contre les personnes âgées, hein. J'ai même une grand-mère que j'adore. Alors... Et voilà. Les seuls vieux possibles, c'est les vieux de sa famille. Hors du chaudron, point de salut. Les vieux, c'est de votre famille ou ça ne se fréquente pas. Et on peut être amis avec un vieux, manger avec un vieux, s'engueuler avec un vieux. C'est pas un trait de caractère, la vieillesse, c'est pas une personnalité, merde. Mais pourquoi vous me criez dessus comme ça? Alors? Ah, il doit avoir un gros climat ici.
attendez, je ne vais pas vous blesser. D'habitude, c'est moi qui me fais engueuler dans ce square. J'ai dû vouloir changer pour une fois. J'en ai marre. C'est drôle, j'ai envie de rentrer chez moi, je veux partir dans cette ville. Il n'y a que des fous ici, dans le fond. Que tu m'habitueras jamais à la vie d'ici. C'est où chez vous? C'est en province, au bord de la mer. Pourquoi êtes-vous parti? Bah à cause du travail. Puis il y avait ma mère, elle arrêtait pas de me dire que les voyages, ça forme la jeunesse. Qu'il fallait que je voie du pays, que je fasse des expériences. Des expériences, tu parles, ouais. Je suis toute seule. Je suis obligée de sortir de chez moi à cause d'un voisin fou, puis de son horrible chien, puis j'arrive ici, mais vous me donnez pour rien. C'est enrichissant comme expérience. Allez, c'est une mauvaise matinée pour tout le monde aujourd'hui. C'est comme ça, il n'y a rien à faire, faut attendre que ça passe. Au moins, ça nous a permis de faire connaissance. Bah, tu parles. Je vous croise tous les jours depuis presque 3 mois et vous m'avez jamais adressé la parole. On aurait peut-être pu faire connaissance autrement. Hein. L'essentiel, c'est de briser la glace. Mmh. Après tout, peu importe la manière dont on la brise, vous ne croyez pas? Mmh. C'est quoi votre nom? Violette. En fait, moi j'aime pas vraiment venir dans ce square. Surtout que c'est même pas un square, hein, c'est un cimetière. Moi, ça me rend plutôt guilleret, les cimetières. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment analysé, mais... Eh ben moi, vous savez quoi? Je trouve ça pas normal qu'on soit obligé de devoir prendre l'air là dans un endroit où est-ce qu'on met les gens morts. Hein. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont là tous autour de nous. À ricaner en chuchotant. À qui le tour? C'est bientôt votre tour. J'avais jamais pensé, maintenant que vous me dites. J'arrive à garder le moral aujourd'hui. Oh, Violette, ça va pas, non? Vous êtes jeune, ça commence pour vous. Tout est encore possible, tout est réalisable. Mais pardon, c'est avant même d'être parti. Mais non, Foot, je m'y ferai jamais à la vie d'ici. Ne soyez pas négatif quand vous parlez de vous. Les gens sont toujours prêts à vous croire quand vous dites du mal de vous. La valeur que je parle comme l'autre maintenant. C'est qui l'autre? Philippe, un copain. Enfin, pas vraiment un copain. Philippe, c'est le mari de Sophie? Vous le connaissez? À vous aussi, vous avez fait un cours de positivisme? Ah non. Non, il m'a plutôt sauté dessus en m'accompagnant un soir où je gardais leurs enfants. Sans blague, sacré Philippe. Sacré Philippe? Non mais quel salaud, oui, plutôt. Avec Sophie enceinte qui l'attendait à la maison. Ah bah fidèle le mari. Vous lui avez dit à Sophie? Bah non, bien sûr. Hein. Enfin, maintenant moi je suis obligée de refuser à chaque fois qu'elle m'appelle pour garder les enfants. Hein. Je sais plus trop quoi inventer, hein. Elle doit croire que je fais la fiesta tous les soirs, alors que ben. Je suis toute seule chez moi, dans mon bol de soupe. En plus, c'est dommage parce que je les aimais bien, moi, leurs petits. Et puis, il est vachement plus vieux que moi. Ah, oh, c'est dégoûtant. Ça encore, je crois qu'on est de la même année. Elle dit rien, Sophie. Elle doit quand même bien s'en douter, mais elle dit rien. C'est pas le genre de fille à se plaindre. Et bon, c'est pour gay tout ça. Moi, ça va donner faim. Vous n'avez pas faim, vous? Bah, si, un petit peu. Ça vous dira de venir grignoter un petit quelque chose chez moi? J'ai plein de trucs très bons. Des quiches, de la flamiche. Des tourtes, du gâteau yaourt. Ça manque un peu de salade, mais tout est fait maison, vous verrez. C'est
C'est gentil, mais je dois retrouver des amis à Vincennes. On a rendez-vous pour pique-niquer. C'est bien. D'autres fois, peut-être. L'été ne fait que commencer. Oui, mais alors, après, je suis en vacances. Je peux vous dire que je vais pas faire mon feu ici. Oh, je vais rentrer illico dans ma famille. J'ai tous mes amis qui m'attendent. Vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte. Je comprends. Oh là là, fini les voisins fous, les sourds, les gens agressifs. Je disais pas ça pour vous, hein. Je disais ça en général, quoi. J'ai bien compris, ne vous tracassez pas. Si vous voulez, je reviens à la fin du mois d'août. On pourra se voir à ce moment-là si vous êtes rentré. Ah bah d'accord, je serai sûrement rentré. Vous partez quand ? Je ne pars pas. C'est vrai que je suis sûr d'être rentré. Bah, alors, bon été, puis bon dimanche. Hein. Ah bah avec ce beau temps, il devrait pas être mauvais. Allez, au revoir Violette et haut les cœurs. Hein. Oui, merci. Moi qui reste tout seul comme un con, c'est bien qu'il la console. Tout va bien. Ils ont vidé leurs assiettes exprès sur mon tapis neuf. C'est pas possible de faire autant de tâches en une soirée, c'est pas humain. Alors ils se sont dit on n'est pas chez nous. On n'en a rien à battre. Allez, on jette tout par terre et puis l'autre imbécile ramassera. De toute façon, il a rien d'autre à foutre. Il ne travaille pas, il n'a pas de femme, pas d'enfant. Il part pas cet été. Vous voulez que je vous aide à frotter ? Vous êtes là, encore là, vous. Je croyais que vous aviez mieux à faire. Oui, bah, je voulais marcher un peu dans le cimetière pour faire passer mon mal de tête et puis j'ai eu l'impression qu'on me suivait. Et puis dites... C'est un lieu public, non? Tout le monde a le droit de venir profiter de la nature, hein? Même moi. Vous pourriez pas prêter un peu de votre produit qui enlève des taches? J'ai de la peinture sur ma robe. Parce que c'était pas complètement sec, en fait, chez vous, hein? Vous aviez mis combien de couches? Seulement deux. Avant la fête, j'ai fait quelques petits raccords par-ci par-là pour que ce soit impeccable. Excellente idée. Oui, parce que celui qui a réussi à repartir de chez vous sans se coller de la peinture partout a gagné quelque chose. Ne soufflez pas, s'il vous plaît. D'habitude, j'ai énormément d'humour, mais alors là, cette fois-ci, c'est moi qui passe une très mauvaise journée. Alors ne m'énervez pas, d'accord? D'accord. Je vais être très gentille. Vous me le prêtez, ce produit, hein, pour enlever la tâche? Faites-vous, oui. C'était vraiment bien, votre soirée, hier. Hein. Puis en plus, on a bien mangé. C'est vous qui avez tout fait, tout seul? Oui, tout. Bah, sauf la... La fameuse spécialité de votre nouvelle amie. C'est vrai que si on veut pinailler un peu, ça manquait peut-être un peu de salade pour faire glisser toute la pâte. Mais bon, à part ça, chapeau, hein, parce que pour un coup d'essai... Pourquoi pour un coup d'essai? Vous croyez que c'est la première fois que j'organise une fête? Je ne sors pas tout juste de l'œuf, vous savez, j'ai un peu vécu avant d'arriver dans ce quartier. Oh. Pardon, excusez-moi. Moi, je cherchais simplement des trucs aimables et pas trop impliquants à dire. Je pensais qu'en parlant de quiche, je ne risquais rien, mais... Je vois qu'il faut que je trouve un sujet de conversation un peu moins personnel. Vous êtes vraiment mal luné, hein. Oui, vous avez pas vu. Ouais, c'est vrai. On
Oui, mais c'est ça, les fêtes. Tout le monde se parle, personne ne se parle. Si vous voulez vraiment aborder les sujets de fond, je vous conseille plutôt les dîners. Bon, je suis pas sûr que les sujets de conversation soient plus intéressants, mais au moins on est assis et on mange chaud. J'ai passé la soirée à vous éviter, de toute façon, vous n'allez pas dans la causette. Bah pourquoi vous m'avez invité alors? C'est Suzanne qui a insisté. D'accord. Non mais pour vous parler franchement, je vous croyais complètement folle. Moi qui étais super contente de venir. Quelle colle! Je vous invite quand même. Et la fête à peine commencée, vous êtes déjà ronde comme une barrique. En train de rigoler aux blagues même pas drôles de l'autre, là. Vous donner en spectacle, debout sur les tables. Moi, j'en avais honte pour vous. On se tient un peu quand on est invité chez quelqu'un pour la première fois. C'est une question de dignité, il me semble. Je vais vous la raconter, moi, ma soirée. Je ne connaissais personne à cette fête. D'ailleurs, je ne vais jamais à des fêtes d'habitude. J'aime pas ça. Je me sens seule et je m'emmerde. Là, j'ai fait un effort. J'ai même acheté une robe pour l'occasion. Je suis quand même arrivée avec une bouteille que vous m'avez arrachée des mains sans même le regarder. Moi, je me sentais ridicule en plus dans cette robe. J'osais même pas repartir tellement que j'étais mal. Heureusement que Philippe est arrivé. Il m'a trouvé adossée à un de vos putains de murs plein de peinture, là. En train de me peindre consciencieusement au curaçao. Et là, il m'a dit qu'il me trouvait ravissante. Il m'a dit que j'avais des yeux... Ah, je sais plus quoi. Ah, si. Grand, brillant, bleu. Je me suis détendue, on a même dansé. Ah oui, la danse du ventre. Debout sur la table au tréteau, juste à côté d'un salade des petits ponts. Ça, tout le monde a bien vu. La discrétion, c'est pas trop votre truc. C'est vraiment dégueulasse ce que vous me dites là. Non mais pour qui vous vous prenez, vous espèce de donneur de leçons, tiens? Philippe me l'avait bien dit. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il vous a dit, notre golden boy de quartier? Rien du tout. Bon, allez, je veux pas les mystérieux, c'est pas votre genre. Que vous étiez un pauvre type, complètement à côté de ses pompes, qui venait de se faire larguer par sa copine. D'ailleurs, elle a bien eu raison de se barrer, celle-là. Vous êtes un goujat, un pisse-vinaigre. Ça, tout le monde ne peut pas avoir l'humour du dragueur à deux balles que vous avez ramassé hier soir. Pauvre con. Quelle classe! C'est ça le problème avec les poche-trons, elles deviennent toutes grossières. J'espère que votre migraine est passée. Sinon, avec deux appels sexuels et un peu de modération avec l'alcool, ça devrait aller. Si votre belle histoire d'amour vous en laisse le temps, passez donc un coup de fil à Suzanne. Elle ne tourne pas très rond, mais... C'est la seule femme que je peux supporter en ce moment. Je m'inquiète. Ah oui, ben là je suis rassurée.
soir 17h comme la dernière fois? Ah non, 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 un peu plus tard. Je suis invitée à un dîner. Simon aura mangé. Il faudra simplement le coucher et lui lire une histoire. D'ailleurs, en ce moment, je trouve qu'il met du temps avant de s'endormir. Surtout depuis la rentrée. Je le sens un peu énervé. Ça, c'est vrai, j'ai remarqué. L'autre soir, j'ai eu un mal fou à l'endormir. Il était vraiment très agité. Ah oui? En même temps, c'est normal, hein, dites. Les enfants des familles monoparentales sont toujours beaucoup plus angoissés que les autres. Hein. Vous n'avez jamais pensé à lui faire voir quelqu'un? Et lui faire voir qui? Je sais pas, moi, quelqu'un qui l'aiderait à lui faire un petit travail sur lui-même, quoi. Non. Non, je ne pense pas qu'il en ait besoin. Ouais, ça lui ferait certainement pas de mal. Hein. Si vous le dites. Vous avez l'air au courant? Ah bah oui, ça c'est sûr, parce que je me suis beaucoup occupée d'enfants. Puis, ben, j'ai remarqué que... Ils vivent ensemble comme dans une vraie famille, hein, bah, ils dorment mieux. Ils mangent mieux aussi. Puis alors ils travaillent mieux à l'école. Hein. C'est quand même connu. Eh bien, si vous voyez d'autres choses que les enfants des familles normales font mieux que les autres, n'hésitez pas à me le signaler. Et bah, je sais bien que la vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais enfin, je le dis comme je le pense. Hein. Pour un enfant, bah, un papa puis une maman quand même. Ouais, c'est ça, vous avez raison. Ouais. Je peux descendre de mon perchoir maintenant? Ou attendez, parce que alors là... On va dire que c'est bon, puis je reprendrai ça à la maison. Suzanne l'a recueilli dans la rue,
Elle a voulu me l'offrir, moi j'en ai pas voulu, alors du coup elle me fait la tête. Mais c'est quand même dommage que vous l'ayez pas pris. Simon, il aurait adoré ça. Vous savez quand même, c'est important les animaux pour les enfants. Hein. Surtout les enfants, bon... Oui, oui, mais qui n'ont pas une vraie famille, oui, ça va, j'ai compris. Mais vous voyez, un chien, c'est un choix personnel. On peut pas vous imposer un chien comme ça sans vous demander votre avis. C'est pas une bougie parfumée, un chien. Il faut réfléchir, en parler. En même temps, c'est pas faux ce que vous dites là. Regardez donc mon voisin, s'il avait fait attention. Violette, on y va. Oui, mon doudou, j'arrive. Je vous apporte ça ce soir. Mais doudou, attends-moi, enfin! Mon doudou. Non mais on rêve là. Non mais regardez là. C'est plus doudou de tous les doudous. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Je chantonne. J'attendais qu'il parte. J'ai juste deux secondes. Je vais chercher Léa à la crèche. Quand est-ce qu'on peut se voir? Demain, au milieu d'après-midi? J'ai un client qui s'est décommandé. Si tu veux, je passe chez toi. Non, pas demain. J'ai des piges à terminer. Bon, bah alors, samedi, je dirais que je vais à la piscine. Non, c'est pas possible non plus. Ah ben je vais à la piscine justement. Oui. Tu veux venir? Attends, ça fait 15 jours qu'on n'arrive pas à se voir. C'est pas cool, hein? C'est pas grave. Hein. On a qu'à s'appeler la semaine prochaine ou celle d'après. D'accord? Je ne serais pas en train d'essayer de me larguer, là. Si. j'ai beaucoup de mal. Mais attends, mais pourquoi? C'était génial! Dis-moi, c'était pas génial? Ah si. Si, c'était super génial. Et justement, tu vois, restons sur un bon souvenir, arrêtons. C'est sûr. Ah oui, net comme pour la cigarette. C'est ce qu'il y a de mieux. Je suis absolument sûre. Vas-y. C'est à cause de Violette. T'as dit que je la drague, c'est ça. Ah, parce que tu draguais Violette aussi, hein? Bah, décidément, elle a un succès fou, cette fille. C'est vrai que tous les goûts sont dans la nature, hein? Non, c'est pas à cause de Violette. C'est pas à cause d'elle, mais tu vois, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, et puis... Attends, puis t'es couché ensemble aussi? Ah bah oui, forcément. Mais moi j'ai pas envie. Attends, mais j'ai besoin de toi, moi. Écoute Philippe, au début c'est très amusant les rendez-vous clandestins, les moments volés comme ça, mais au bout d'un moment c'est très ennuyeux. Mais tu sais, je ne regrette rien de ce qui s'est passé, hein. Et je dois même dire qu'au fond, tu vaux mieux que le temps que tu donnes. Merci. J'en suis la première étonnée. De toute façon, la rentrée a mal commencé, alors. Sophie fait la gueule. On dort mal à cause du bébé, je suis dans le collimateur du boss parce que je fais pas assez de chiffres. La seule chose qui m'a remonté le moral, c'était le rendez-vous. Et là, tu m'annonces que c'est fini. Ça le temps. Je suis désolée. Tu sais, moi, je suis pas en grande forme non plus. Hein. T'as trouvé du boulot? Je vais à des dîners, par-ci, par-là, pour me montrer un peu, mais...
J'ai intérêt d'être plutôt rigolote et mignonne pour donner envie au rédacteur en chef de me confier des rubriques. Mais tu vois, ça m'épuise. Je sais pas, je dois vieillir. Et puis, je suis aplatie. Tu vois, j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur. Et puis, à côté de ça, il faut que je sois forte parce que je suis toute seule avec mon fils. Mais attends, mais le père de Simon, il t'aide? Ouais, ben, il prend Simon un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Mais ils viennent de se remarier, alors... Et puis, je crois bien qu'ils vont avoir un enfant aussi. Pourquoi on n'arrive pas à être heureux? Hein? Pourquoi on est insatisfait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Peut-être qu'avant, on se posait pas la question. On se sentait pas obligé d'être heureux. On se reverra quand même. Ah oui? Avec le jardin. On se verra forcément avec les enfants. Ah oui. Forcément. J'ai trouvé une bricole pour Simon. Si ça ne lui plaît pas, il peut changer, vous lui direz. D'accord. Il a changé en peu de temps. Oui. Il m'a demandé pourquoi on ne se voyait plus. J'ai pas su quoi lui répondre. Vous savez très bien pourquoi. Oui, mais je ne peux pas dire à un enfant de 7 ans que vous êtes en colère contre moi parce que mon amant est marié et père de 3 enfants. Et puis je ne peux pas lui dire non plus que vous êtes en colère parce que, au lieu de me comprendre et puis vous me jugez. C'est pas vrai, vous êtes injuste. C'est simplement que je vois que vous vous trompez et que vous perdez du temps avec ce garçon. Mais de quoi vous vous mêlez d'abord? De toute façon, on peut rien vous dire, vous avez un caractère de cochon comme votre mère. Ben, c'est bien tout ce qui me reste d'elle. Oh non, il y a bien d'autres choses que vous tenez d'elle. J'espère pas. Ah, ne dites pas de mal de votre mère. Elle vous a élevé toute seule. Elle n'avait personne pour l'aider. Elle s'est toujours débrouillée pour que vous ne manquiez de rien et que vous n'ayez pas moins que les autres. Mais c'est ça, continuez à défendre votre copine. Odette, je l'ai connue quand je tenais le stand de parfumerie au printemps. Tous les matins, quand elle allait au boulot, elle s'arrêtait au magasin. Et tous les matins, elle attrapait le vapeau de démonstration de Mitsuko et vas-y que je m'asperge Mitsuko de la tête aux pieds. Elle a toujours eu du culot quand même. Hein. Moi, elle me faisait honte parfois. Elle engueulait tout le monde. Eh bien, j'en connais d'autres. Et puis un jour, j'en ai marre qu'elle me vide les flacons. Alors je lui ai dit, si elle voulait, je pense qu'elle les essayait, au moins qu'elle change de parfum. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? La vérité, tout simplement. Qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir du parfum de luxe. C'était l'heure de ma pause, alors on est allé prendre un café, et puis on a parlé. Et du coup, après, je lui filais tous les échantillons que je gardais, je lui filais en plus, comme ça. C'est comme ça qu'on a sympathisé. Elle me faisait rire. Moi, pas. On n'avait pas tellement d'occasion de rigoler, vous savez. Sauf avec vous. Mais ça sert à ça, l'amitié. Je me rappelle de son rire, quand on allait au cinéma voir De Funès. Elle aimait De Funès, maman? Elle adorait De Funès. Elle m'a traîné voir tous ses films, même les plus tartignoles. Ben, vous en avez bien eu de la chance. Hein. Parce que moi, le seul souvenir que j'ai, c'est qu'elle était obsédée par l'idée que je me trouve un garçon sérieux, comme elle disait. Bah, sauf que le père de Simon, c'était pas un garçon sérieux, c'était un garçon sinistre. J'ai dû me tromper d'adjectif. Oui, c'est vrai.
genre. Le genre normal. C'est tout? Mais vous n'allez jamais me le dire? Vous n'allez jamais me dire si mon père était drôle ou bien sinistre lui aussi? Encore quand maman était là, je comprenais. Mais là maintenant, ça rime à quoi de vous taire? Qu'est-ce que vous attendez? Que vous me posiez des questions. Et quand je le fais, vous vous défilez. Mais moi, je commence à m'imaginer des trucs monstrueux. Et puis, qu'est-ce que je réponds à Simon quand il me pose des questions sur son grand-père? Un jour, je vous donnerai leurs lettres. Les lettres? Quelles lettres? Les lettres qu'ils se sont envoyées, tous les deux. C'est vous qui les avez? Mais oui, quand Odette est tombée malade, elle me les a confiées. Mais c'est moi qui devrais les avoir, ces lettres. C'est moi, sa fille. C'était pas des lettres de mère, c'était des lettres de femme, et ça vous aurait gêné. Mais plus maintenant. Maintenant, j'aimerais bien savoir. Je vais vous les avoir. De toute façon, je comptais le faire avant que moi aussi... Bah, que vous aussi quoi? Eh ben, que moi aussi, je... Oui, vous savez, ça arrive par surprise, pardon. Suzanne, vous êtes encore tombée toute seule chez vous et vous ne me l'avez pas dit. Mais non. Oh, ne jouez pas ce petit jeu avec moi. Vous me le diriez? Vous me le jurez? Vous voulez que je crache par terre? Je demanderai à votre ami Antoine, une fois que je l'aurai coincé sans sa nouvelle fiancée. Vous avez certainement dû lui dire à lui. Vous êtes jalouse? Mais pas du tout. C'est un psychorigide, ce garçon. Vous non plus, vous ne me dites pas tout. Je ne demande pas où vous en êtes avec votre petite amie. Il n'y en a plus. C'est pas vrai? Oui, bon, bah ça va. Vous pourriez au moins faire semblant d'être triste pour moi. Je suis peut-être désespérée. Vous n'avez pas l'air. Ouais. En fait, c'était pas vraiment Philippe qui me plaisait. C'était plutôt sa famille. Sa maison de vacances remplie de super copains. J'aurais tellement aimé qu'il m'adopte. Ils ont déjà 3 enfants. En plus, besoin d'une grande fille grincheuse. Mais j'en ai pas d'amis, moi non plus. Je suis toute seule avec Simon. Je suis toute seule avec mon fils comme l'était ma mère avec moi. Je voulais pas faire la même chose si j'avais su. Oh, allez, allez, c'est rien, ma petite chère, c'est rien. Allez, on va rentrer. Je vais préparer un thé. Et puis, vous savez, on va fumer des clopes, ça va vous requinquer. Philippe.
gâteau, yaourt. Et voilà. Dis donc, il fut un temps pas si lointain où ça vous faisait rêver. Ça me fait plus rêver du tout. D'ailleurs, c'est con, parce qu'au moins ça m'occupait. Bon, allez, je la mets où, la nappe? Là, dans l'herbe. Excellente idée. Parce qu'avec ce qui est tombé depuis 5 jours, on va s'enfoncer dans la bouche jusqu'aux oreilles. Hein. Antoine doit apporter des sacs plastiques pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Mais quel cauchemar. Non, mais vraiment, qu'est-ce que je fous là? Je serais tellement mieux chez moi, toute seule. Mais arrêtez de vous plaindre, est-ce que je me plains, moi? On dirait pas que c'est moi la vieille, hein? Et Sophie, elle vient avec les enfants? Oui, Violette l'aime beaucoup. Parce qu'elles ont certainement des vieux dictons à s'échanger. Oh, puis il fait froid, hein? Moi, j'ai vraiment froid, là. Eh ben, sauter sur place, ça fait circuler le sang. Et ils font ça comment, Antoine? Quoi donc? Ben le départ de Violette. Ah, on n'a pas abordé le sujet. Parce que, comment ils vont faire pour se voir? Vous croyez qu'ils vont continuer à se voir? Ou, je sais pas, le week-end? Ah, je ne pose pas de questions. Je crois que s'il avait envie de m'en parler, il le ferait. Il ne dit rien. Eh ben, je ne dis rien non plus. Vous l'aimez bien, Antoine, hein? Vous ne le critiquez jamais. Il n'y a aucune raison de critiquer Antoine. Bon, vous êtes réchauffé, là? Un peu. Eh ben, arrêtez de sauter parce que vous me fichez le tournis. Et Suzanne, mardi, Noël, on fait toujours ensemble? On sera tous les trois. Bah oui, qui voulez-vous d'autre? Oh, je sais pas, moi, je demandais ça pour les 8, c'est tout, hein? J'ai de beaux cadeaux pour Simon. Vous allez encore le pourrir? Oh non, il est bien trop intelligent pour cesser de pourrir. Bah, peut-être que c'est sa mère qui l'élève bien. Non, 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 je crois que c'est naturel. J'ai dit à ma mère un jour de me faire un compliment. Ah, voilà le taboulé qui arrive. C'est pas du tout du taboulé. Ah oui, c'est quoi? Un bœuf miroton? Non, c'est une salade de pâtes. Froide, bien sûr. Bah oui, Jeanne, une salade. C'est vous qui l'avez faite, ça devait être délicieux. Bah, je l'ai aidé un petit peu. Hein. Bah, j'espère que tu en as profité pour la planter au moins qu'elle a commencé de cuisiner le matin. Qu'est-ce que tu peux être moqueuse? Ah bah ça c'est vrai. Hein. Puis c'est pas toujours bien d'être moqueur, hein. Surtout avec les enfants. Parce que parfois de la moquerie à la méchanceté. Hein. Oui, moi ça va. Je... Mmh. De toute façon, allez, c'est très bien, très sain. Une bonne salade de pâtes. Glacé, un dimanche d'hiver, bien bien, hein? Bon, aidez-moi donc à couper le basilic, je crois qu'il vaut mieux pas que je demande à Jeanne, là, elle risquerait d'envoyer de mauvaises ondes. Ouais, c'est ça, ouais. Je pourrais faire tourner les pâtes, hein. Si, elle arrive, mais elle allait être la petite. Et vous, Philippe? Vous restez à Paris pendant les fêtes? Mais non. Non, mais comme tous les ans, on descend dans le Lot, retrouver les cousins de Sophie avec leurs mômes, les oncles, les tantes. Ça me saoule, mais bon. Mais ne vous inquiétez pas. Si ça se trouve, dans quelques temps, vous serez malade, vieux, sans cousins, sans enfants, sans bruit. Enfin bref,
tout seul devant le programme spécial fête à la télé avec une galantine de canard et un quart de mousseux. C'est plutôt flippant là ce que vous me dites, hein. Eh bien, pensez-y quand vous serez dans l'ordre. Vous verrez, ça va vous aider à trouver le séjour moins pénible. Bah, dites donc. Ça me donne envie de pleurer, moi, tout ça. Allons donc, hein. Et tout ça quoi? Je sais pas, moi. Être vieux, tout seul, dans le Nord, quand même. Ben oui, parce que c'est vrai que dans le Nord-Pas-de-Calais, ce serait nettement plus marrant. Hein. Jeanne! Bon, bah quoi? Bonjour tout le monde. Salut. Bah dis, y'a quoi dans les thermos? Café, thé, chocolat et viandox. Oh, enfin quelqu'un de raisonnable. C'est quoi ça, viandox là? Oh bah, tu peux pas connaître ma petite Violette, mais pendant la guerre il faisait très froid dans les tranchées. Est-ce que t'as fait la guerre? Bon, celle de 14 seulement, parce qu'en 40, j'avais pas encore récupéré ma blessure. Ah, très drôle. L'autre jour, j'ai dit à Violette que j'avais des souvenirs de la libération de Paris. Elle a pas eu l'air étonnée. Alors depuis, j'essaie de voir jusqu'où je peux remonter. C'est malin. Allez, Pépé, tu raconteras encore sa guerre, ma petite Violette. Si t'es bien gentille avec lui, hein. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Vous avez trouvé du travail? Bah oui, j'ai un ami qui a ouvert une crêperie il n'y a pas longtemps, puis bah, ça marche bien. Alors bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais pouvoir commencer là-bas tranquillement. Hein. Et puis, une fois que j'aurai appris le métier, bah, je pourrai me mettre à mon compte. Puis bah, comme dit ma mémé, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Mais vous n'avez pas peur de vous enterrer là-bas? Enfin, de vous ennuyer, quoi? Vous êtes jeune quand même. Et que Suzanne passe le périph' et commence déjà à se sentir mal. Mais c'est pas vrai. J'aimais bien dans le temps aller voir ma cousine à Courbevoie. Vous savez, hein, j'ai tous mes amis là-bas. Hein. C'est pas pour ceux qui ont réussi à trouver du boulot, hein, bien sûr. Alors, bah, le dimanche, on passe chez les uns, chez les autres. C'est drôlement convivial. Puis, bah, tous nos parents, ils ont une maison avec un jardin. Alors, quand on voit de la lumière, bah, on rentre. Puis, on se boit un petit apéro au coin du feu pour se réchauffer. Et bien alors? Regardez, monsieur boit l'apéro là, dimanche tous ensemble. Ah bah c'est sûr quand il n'y a pas de feu, on est dans un cimetière, on se l'échelle, mais moi par ça. Non mais, qu'est-ce que tu peux être négative? Bah tu repères les mères pour un bon mot. Hein. C'est pas possible, ils sont déjà morts. Et puis vous, vous me parlez maintenant. Vous n'avez plus peur que je me précipite sur vous en bavant et en hurlant comme toute bonne folle qui se respecte? C'est quoi ces histoires de folle qui bavent là? Allez faire un tour, ça va nous reposer de ne plus l'entendre râler. Allons bon, on n'a même plus le droit d'avoir des états d'âme maintenant. Écoutez, Jeanne, on a tous nos petits problèmes dans la vie, hein. C'est quand même pas une raison pour gâcher le plaisir des autres aussi. Mais j'ai froid, en plus. Vous voyez pas que j'ai de plus en plus froid, là? Mais écoute, Jacques, on a tous froid. C'est vrai que vous êtes un petit peu palote aussi. Allez vous promener un petit peu dans le cimetière. Ça va vous réchauffer. J'ai bien, attendez-moi. Et venez, on va marcher un peu. Vous voyez que ça va me changer les idées? Est-ce qu'elles ont vos idées? Elles sont noires, très noires. Et puis, qu'est-ce qu'on va se raconter? Vous savez bien qu'on n'a rien à se raconter. Je vais vous raconter ma vie? Vous allez voir, c'est passionnant. Elle est vraiment très... très pique-nique, hein, comme fille Violette. Oui, très. C'est vraiment quelqu'un
d'adorable. Adorable, oui. Puis elle a l'air contente hein, de repartir chez elle. Ah oui, elle ne s'est jamais vraiment habituée à Paris. Ah mais moi non plus. Moi des fois j'aimerais bien partir aussi. Pas vous ? Non, pas vraiment. Comment vous allez faire alors ? Faire quoi ? Mais pour vous voir avec Violette, c'est vous qui allez remonter ? Ou peut-être que c'est elle qui va descendre ? Ah, ou alors vous allez vous rejoindre à mi-chemin, c'est ça ? Et une autre solution que vous avez oubliée ? Violette reste chez elle, moi je fais pareil, et puis tout le monde est content. Ah oui, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Sophie a embelli, non ? Oui. Vous la trouvez plus énervante ? Non. Non, c'est moi qui devais être un peu... Un peu ? Vous savez. Et sinon, pour vous, ça va ? Le travail, tout ça ? Oh, j'aime bien quand vous devenez un peu mondaine. Bien, chère petite madame, ça commence à devenir plus clair. C'était bien de prendre le temps de réfléchir. Ouais. C'est vrai que parfois, il faut savoir se donner du temps. On peut pas toujours être au top. Donc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Suzanne est en forme, ça fait plaisir de la voir s'amuser. Vous avez de drôles de rapports toutes les deux. Vous la connaissez depuis longtemps ? Non. En fait, elle faisait partie de la vie de ma mère. Sa vie sans moi. Et puis il m'arrivait de la croiser quand je rentrais de pension de temps en temps. Mais on a vraiment fait connaissance quand maman est tombée malade. Elle s'est vraiment beaucoup occupée d'elle. Passez votre temps à vous chamailler et à bouder chacune de votre côté. C'est parce qu'on s'aime beaucoup. Ah bon ? Évidemment, vu comme ça, tout s'explique. Hein. Non mais il faut être très intime pour bien s'engueuler. On peut pas s'engueuler comme ça avec n'importe qui, pour n'importe quoi. Tenez, regardez-moi, avec le père de Simon, par exemple, et bien on s'engueulait presque jamais. Parce qu'au fond, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je devais pas assez l'aimer pour ça. Vous avez des théories fumeuses comme ça sur tout ? Oui, presque tout. Alors ça doit être gay, hein ? Non, c'est pas gay du tout, non. Surtout en ce moment. C'est bizarre, je vous trouve beaucoup moins agressif que d'habitude. Hein. Moi, c'est parce que là, je suis dans ma période de dépression. Alors qu'avant, j'étais dans la phase de surexcitation. C'est vrai que c'est plus calme, hein, mais c'est plus triste. Ah d'accord. Et entre les deux, aucune possibilité ? Je sais pas, si, peut-être un jour. Hein. Mais en attendant, il paraît que je suis condamnée au yo-yo existentiel. Et vous faites quelque chose ? Ouais. Je vais voir un médecin. Quelqu'un de formidable. Hein. Au départ, j'ai consulté parce que j'avais des plaques qui me démangeaient un peu partout. À cause d'une overdose d'huiles essentielles. C'est possible, ça ? Ah ouais, c'est possible. C'est très dangereux, même. Et surtout, c'est la base de thym. Du coup, après, il m'a prescrit des médicaments pour me remonter le moral. Ça marche mieux que les huiles essentielles ? En tout cas, ça gratte moins. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça ? Rapapa ? Oh, ça a commencé quand Suzanne m'a donné les lettres de ma mère. Je les ai lues un jour qu'elle préparait son crumble. Elles étaient tristes, ces lettres ? Non. Non, en fait, elle parlait de moi. Oh, puis de toute façon, c'est du passé, tout ça. En fait, tout allait bien. On a mangé, tout se passait bien, et puis après le crumble, j'ai eu mais comme un gros coup de pompe. Je sais pas, depuis je me traîne. Il devait y avoir un truc dans son crumble. Dans le crumble ? Ah oui, sûrement.
parle tout le temps. Hein. Ça doit être pour ça que je vous énerve autant. D'abord, vous ne m'énervez pas tant que ça. Si vous m'aviez connu il y a 2 ou 3 ans, je vous aurais certainement beaucoup plu. Vous croyez ? Ah oui, j'étais sûre de moi, gaie, optimiste, pas géniale comme maintenant. Vous m'avez tout de suite plu quand vous vous êtes assis à côté de moi la première fois. C'est vrai qu'après ça s'est un peu gâté. Vous m'annoncez ça comme ça, moi qui me préparais à me faire agresser. J'ai plus la force de mentir, et puis je sais pas, ça doit être les médicaments, ils doivent faire sérum de vérité en plus quand ils dépressent pas. Notre cher Philippe, vous a plu tout de suite lui aussi ? C'est pas vraiment lui qui me plaisait, mais plutôt sa famille. En tout cas, l'idée que je m'en faisais. Vous comprenez ? Oui, oui. Vous avez toujours vos parents, vous ? Non. 2 orphelins dans un cimetière un dimanche hiver d'Assas. Vous voyez, quand je vais bien, je suis pas très drôle. Hein. Pour tout vous dire, je m'en doutais un petit peu. Je suis soupolais, mais je n'ai pas rancunier. C'est bien ça, parce que moi, c'est tout le contraire. Attendez que je réfléchisse. Ah oui, d'accord. On a quand même trouvé des choses à se dire, finalement. Ne vous emballez pas, si ça se trouve, c'est juste à cause des médicaments. Vous avez un peu moins froid ? Violette est partie. Bah, où ça ? Dans le cimetière, toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu le malheur de vouloir lui montrer mon caveau. Enfin, l'emplacement que je viens de choisir. Je suppose que c'est une façon de le faire. Je me ficherai des claques. Moi, j'y vais, j'arrive parfois à la fermer. Vous êtes sûr que vous allez être assez drôle ? Ah oui, je suis drôle. Intelligent. Fort et tendre à la fois. Travailleur, économe et surtout très propre. Ben dis donc, on n'en fait plus beaucoup des hommes comme eux. Ah bon ? Il y en a encore. En plus, j'ai un gros faible pour les emmerdeuses dépressives. Il est gentil, ce garçon. Elle est quand même très très fragile, la petite Violette. Elle est surtout très concon, non ? Sévère. Oui, mais juste. Moi, Suzanne aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de caveau ? Qu'est-ce qui vous prend ? Et pour Noël, il vous serait possible de rajouter 12 vies supplémentaires ? Ah bon ? Parce que finalement, vous avez invité quelqu'un d'autre. Pas encore. Mais ce sera pas gênant que je sois là ? Ben non. Ben non, au contraire. Comme ça, on sera vraiment en famille. Mais comment t'as fait pour t'étaler dans cette tombe ? C'est horrible, c'est affreux, j'ai eu peur. J'ai vu la tombe de Suzanne. Mais t'as vu ça pour rire. Allez, c'est fini, calme-toi. Mais non, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu mon voisin de palier. Mort ? Bah non, vivant. Un peu trop, même. Avec son chien ? Non, il était tout seul. Pour le vieux, il a bien le droit de se balader. Faut bien qu'il fasse quelque chose de son dimanche. Il a été déboulé tout d'un coup avec ses grands cheveux, puis son grand manteau, là. Ah, mais je vois très bien qui c'est, votre voisin. J'ai rencontré souvent dans le jardin. Non, c'est vrai, il traîne souvent par ici.
Tu as eu peur, c'est normal. Bon, allez, c'est fini, c'est rien. Mais non, c'est pas fini. Il m'a poursuivi dans l'allée. Avec son machin, là, à la main, et puis... C'était dégueulasse. Et puis, il me parlait, il me disait... Tu l'as vu? Tu l'as vu, hein? Mais t'es drôle de moi, de bizarre. Ah, c'est pour ça qu'il est sourd. Si un jour en semaine il montre sa quéquette le week-end. Bon, il est où maintenant? Il est parti par la petite route derrière. Et les enfants ils sont où? Avec Sophie, je crois. Quand je pense que vous m'aviez conseillé d'aller lui parler, heureusement que je vous ai pas écouté. Je pouvais pas me douter. Bah si, quand même. Vous avez bien dit qu'il était bizarre. Comme dit papa, hein, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand même, il se passe de drôles de choses dans ce cimetière. Hein. Mais vous connaissez la nouvelle? Oui, le voisin de Violette est musicien la semaine et exhibitionniste le dimanche. Non, je viens de parler au gardien. Eh bien, il adore le foot. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Non. Le jardin va fermer. Pour la journée? Définitivement. Il paraît que c'est pour les dealers. Alors, les flics le ferment complètement. Mais alors, on pourra plus venir vers les enfants? Eh non. Et le toboggan n'est plus aux normes. De toute façon, on le savait, hein, c'était provisoire. Mmh. Bon ben, buvons pour fêter ça. Bah, fêter quoi? La fermeture du jardin et puis votre premier exhibitionniste de cimetière. Bon, je demande bien pour qui vous allez pouvoir vous moquer, bah, une fois que je suis partie. Je me moque pas de vous, bien, pas du tout. Pas de ça avec moi, hein. Si vous croyez que je suis plus bête qu'une autre, j'ai bien compris que l'idiote du village, c'est moi. Mais pas du tout. Je dois même dire que j'aime bien votre côté Crédit Agricole. C'est quoi la blague, là? Violette, le bon sens pour chez vous, la reine du lieu commun. Pas bah justement, ouais, justement. Le lieu commun, c'est comme ce jardin. C'est un endroit où tout le monde peut se rencontrer. Alors déjà que vous en avez plus de jardin, bah vous allez voir que vous allez les regretter, les lieux communs. Oui, oui, c'est pas tout à fait faux ce que vous dites. Hein. Bon bah, j'en profite pour porter un toast à ma nouvelle vie et vous annoncer que je change de boulot. Sans blague? Ouais, j'en avais marre. Tu aussi, alors. Ça tombait bien. Tu as trouvé autre chose? Non, non, pas encore. Non, mais ça va venir. Ah, ça m'inquiète pas. Hein. Pas que ça tarde de trop, quand même, parce que... Trois rooms, un appart... Ça file vite. Hein. Eh oui, ça file vite. En fait, je suis plus trop sûre d'avoir envie de partir. En fin de compte, je commence à m'habituer, moi, à la vie d'ici. Hein. Puis c'est surtout, ben, vous allez tous me manquer. Rien. Eh bien, ça reste à prouver.
garder la place. Mais enfin, personne ne va nous piquer la place. Il n'y a pas un chat dans ce square. Oh, on n'est jamais trop prudent et puis la verre sera bientôt finie. Bah, vous avez un tempérament plutôt optimiste, hein? Pour une fois qu'on est tranquille. C'est vous s'il y a comme passage par ici, hein? Moi, je suis déprimée que le jardin ferme, hein. Puis déjà que j'étais pas très brillante. Je me dirais, Violette, que des choses finissent pour que d'autres puissent commencer. Vous êtes très agréable à porter. Merci, on ne me l'avait jamais dit. On est bien, non? Oui. J'ai un peu peur. Peur de quoi? De glisser, de me faire mal. Vous ne risquez rien. Je suis très baraqué. Dans mes bras, une femme n'a rien à craindre. Vous ne sentez pas comme je vous tiens bien serré? Si. On devrait peut-être les rejoindre. Suzanne va finir par s'inquiéter. Vous croyez? Ah bah oui, c'est dans sa nature de se soucier des autres. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait s'inquiéter pour moi. Quand on n'a plus ses parents, plus personne ne s'inquiète vraiment pour vous. Vous avez remarqué? Oui. Je peux vous poser une question? Oui, faites. Comment vous aviez deviné qu'il allait pleuvoir? J'ai des antennes. Évidemment. Vous aimez les huîtres? Oui, beaucoup. Ça ne va pas? Vous faites une drôle de tête. C'est parce que vous êtes le premier escargot que je vais embrasser sur la bouche. Thank you.